Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo des énergies pour ce week-end. Donc on sera le samedi 12 et le dimanche 13 mars. On approche du printemps d'ailleurs, dans une semaine ce sera le printemps. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire votre choix entre un des trois objets. Comme d'habitude, le chapeau magique. Comme d'habitude aussi, le chat noir. Hein. Et cette fois-ci, je vous propose en troisième position mes quartz roses. Voilà. Énergie douce, d'amour, etc. Pour les jeux qu'on va utiliser du coup pour ce week-end, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'ai sorti mon oracle de la nuit de l'âme de Charlotte, une apprentissage que j'aime beaucoup et que j'ai depuis très longtemps. Et comme petite affirmation, petite carte d'accompagnement pour ce week-end, j'ai choisi le Pixikins de Paulina Cassidy avec de très jolies illustrations avec le petit message directement sur la carte. Il est en anglais, mais vous verrez que c'est très facile de l'utiliser celui-ci. Voilà. Donc, je vais les déballer comme d'habitude avec vous. Moi, sinon, j'espère que tout va bien chez vous. Je ne sais pas chez vous en Belgique, mais ici... chez vous en Belgique, non. Chez vous, hors Belgique, plutôt. Chez nous, en Belgique, ils ont supprimé le Covid Safe Ticket. À part que ça reste dans les hôpitaux et où donc encore? Les maisons de repos, oh, je ne sais plus. Ça reste, enfin, il faut vraiment encore le présenter dans les hôpitaux, je crois. Dans les services de soins. Mais sinon, ça a été supprimé. Voili, voilou. Hop, hop, hop. S'il y en a une qui reste dans la boîte, ça n'ira pas. Sinon, franchement, avec le temps, pour le moment, on est vraiment servi. J'enlève les petites cartes de présentation. Sinon, si je les mélange avec, ça n'ira pas. On a plein soleil depuis une semaine et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Malgré, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, malgré l'actualité qui n'est pas toute rose, sincèrement. C'est triste à dire, mais je me dis, purée, on finit avec un truc, avec ce Covid, et il y a un autre truc qui nous tombe dessus, quoi. C'est vraiment terrible, quoi. Moi, c'est anxiogène. Moi, quand j'entends les infos, ben, je les écoute plus trop, je les lis sur mon téléphone, parce que je vous avoue que de voir toute cette souffrance humaine et ben, animale aussi... Bah franchement, moi, ça me rend vraiment malade. Et comme je suis déjà une éponge à émotions, eh ben j'absorbe ces émotions. Et je trouve ça bien triste. Et au final, je me dis que ce sont au final les dirigeants qui se font plus la guerre. Et c'est le peuple qui en ramasse plein la poire. C'est toujours comme ça. Sans parler des répercussions. Parce que quand je vois... le prix de l'essence, enfin du diesel, quand je vais mettre de l'essence dans la voiture, c'est effrayant. Bon, c'est vraiment rien par rapport aux gens qui sont là-bas et qui vivent cette guerre, mais quand même, quoi. Ça a quand même j'ai fait livrer du mazout aussi de chauffage et je crois que le prix a presque doublé, quoi. Enfin, voilà. La petite parenthèse qui n'avait pas grand-chose à voir. Sinon, j'espère que vous avez des bons projets du coup pour ce week-end. Ici, on va se la couler doux, je vous l'avoue, à la maison. Parce que cette semaine, moi, je n'ai pas arrêté. Dans le jardin, j'ai fait du rangement. On a bougé tout ce qu'il y avait dans mon garage. Enfin, voilà, je n'ai pas arrêté. Je ne sais même plus, on a fait plein de choses cette semaine. Et voilà, mais je suis vraiment contente d'être un week-end chez moi, bien au chaud, dans mon jardin, avec mes enfants. Et de ne pas devoir prendre la voiture, parce que ça aussi, conduire les enfants, tout le temps être sur la route, eh bien, on est content de souffler d'être un week-end où on ne prend pas la voiture, où on reste bien chez soi, avec ses petits animaux dans son jardin, etc. Voilà, bon. Oh, il me fait des catastrophes. Il a envie de nous parler, je crois. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je vous mets le timing dans la barre de description, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter tout mon blabla. Bon, j'espère que cette fois-ci, on aura autre chose que les champignons. Hein. Bon, ici, il y en avait deux. Bon, ben, je vais prendre les deux. Hein.
Donc elles voulaient venir toutes les deux. Pour ceux qui ont suivi les guidances des week-ends et des semaines précédentes, j'ai sorti beaucoup les champignons. Regardez le dos de carte. Il est entièrement... En fait, c'est une personne qui a créé cet oracle et je crois que c'est sa maman qui a illustré le jeu. Et moi, j'aime beaucoup, franchement. Je le trouve très joli. Regardez-moi cette carte. Voilà. Celui-là, je ne voulais même pas présenter. Je l'avais déjà bien avant d'avoir créé ma chaîne. Il y a beaucoup de jeux que je n'ai jamais présentés. J'ai commencé à présenter les jeux que je recevais, en fait. Que j'ai achetés, que je recevais au moment où j'ai créé ma chaîne. Mais j'ai jamais pris le temps de faire tous les jeux que j'avais déjà avant. Voilà. J'adore. Et le format est trop mimi aussi. C'est des plus petites cartes, un peu comme le Magic Luna. Et j'aime beaucoup ce format de cartes. Mais alors, le dos, je le trouve trop joli. Voilà, voilà. Je vais le mettre par là. Et on va se tirer du coup une petite carte du Pixie King. Le dos est comme ceci. Et j'ai mon petit papier près de moi avec les traductions en français. Je les traduis celui-là. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à traduire. Hein. C'est une petite phrase. Et voilà, voilà. Voilà. Bon, déjà 6 minutes que je blablate, hein, mes amis. Zou. Et zou. Voilà, voilà. Bon, celui-ci, je ne sais pas où je vais le mettre par là. Que je ne le fasse pas tomber. Voilà, donc on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau. Vous voyez ma tour de papier ici pour prendre mes notes. Alors, on va commencer ici. Les oiseaux, j'ai dit un chapeau. Les oiseaux et la balance. Les oiseaux, badinage, jeu amoureux, idylle et la balance, équilibre, justice et harmonie. Ici, j'ai envie de dire, bon, il peut y avoir plusieurs choses. Vous allez peut-être trouver un équilibre ce week-end entre peut-être votre relation amoureuse et peut-être votre boulot, etc. Vous allez peut-être vraiment arriver à trouver un juste équilibre entre une harmonie entre votre vie de couple et votre boulot. Parce que parfois, on donne priorité, on a tendance parfois à donner... plus priorité au boulot et un petit peu négliger les proches, etc. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être trouvé un équilibre entre les deux. Voilà. Bon, ça peut aussi, moi les oiseaux, ça me fait toujours penser, ça peut aussi être des colportages, des ragots, ou ça peut être recevoir des nouvelles aussi. On peut aussi avoir l'idée de personnes qui colportent des ragots. Peut-être justement que vous allez devoir trancher, peut-être choisir choisir votre camp entre certaines personnes, peut-être aussi. Garder l'œil ouvert, comme on dit. Hein. Peut-être garder l'œil ouvert par rapport à certaines choses aussi, pour pouvoir vous garder votre propre équilibre. On va voir si l'oracle rose nous en dit un peu plus. Le potier. Le potier, c'est tout ce qui est travail manuel, etc. Donc, j'ai envie de dire, ce sera peut-être bien ça. Alors, peut-être garder l'équilibre et essayer d'arriver à faire la part des choses entre, par exemple, votre vie amoureuse et votre boulot. De vous dire, par exemple, que le week-end, c'est réservé à votre vie amoureuse. Ça peut aussi être votre famille, évidemment. Vos enfants, votre mari, votre compagnon, votre compagne, tout ce que vous voulez. Et à vous dire que le week-end, c'est réservé à votre famille et d'essayer de vraiment mettre votre boulot de côté pour vraiment préserver l'équilibre de votre vie familiale. Voilà. Voilà, voilà. Alors, mon petit ici, l'amour inconditionnel. Alors ici, c'est vraiment l'amour inconditionnel, justement. Hein. C'est peut-être qu'en mettant de côté... justement, le boulot pour privilégier un petit peu plus votre famille, etc., l'équilibre familial, vous avez, bon, évidemment, l'amour inconditionnel ici, moi, ça fait penser à l'amour qu'on a pour ses enfants, mais ça peut être aussi pour ses animaux, son conjoint, etc. Je vais vous lire juste ce qui est dans le guidebook pour cette carte-là, comme ça. Elles sont classées par ordre alphabétique, comme il y a un beau message quand même dans le petit livret. Vous voilà reconnecté à l'amour de vous-même dont vous vous étiez déconnecté et que vous aviez laissé de côté, pris par l'ouragan de vos pensées négatives et croyances limitantes.
Si ce n'est pas encore le cas, vos anges vous invitent à être dans l'amour de vous-même, de se choisir pour pouvoir ensuite être dans l'amour de l'autre. Il est important de donner de l'amour et de rendre quelqu'un heureux, mais c'est important de commencer par soi-même. Choisissez la voie du cœur, faites les choses avec passion, l'amour guérit tout. Voilà, ben, peut-être que ce week-end, on vous dit ben justement de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent à vous. Parce que comme elle le dit, hein, quand on s'aime soi-même, évidemment, on est plus enclin à donner de l'amour aux autres également. Donc, profitez peut-être de ce week-end pour faire des choses qui vous font du bien, comme une balade dans la nature ou jardiner. Le temps, franchement, est enclin à tout ça pour le moment en plus. Donc, profitez peut-être de faire des choses qui vous permettent aussi de vous aimer vous-même, de vous respecter plus vous-même, d'être moins cruel envers vous-même. Souvent, on est les premiers à être les plus durs envers nous-mêmes et du coup, de garder l'équilibre entre la vie de famille et le boulot et n'oubliez pas de dire évidemment à vos proches que vous les aimez, de le leur montrer aussi. Voilà. Et ici, avec le Pixikins, on a Mira qui nous dit « Explore outside your element to discover new magic ». Et je vais directement vous dire ce que ça veut dire. J'ai fait mon petit papier, regardez, mon petit copion. Et j'ai classé ça par prénom. « Explorer l'extérieur de votre élément pour découvrir une nouvelle magie ». Ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Allez peut-être explorer la nature, une balade autour de chez vous, en forêt, dans votre jardin, pour découvrir peut-être des petites choses que vous n'avez peut-être jamais remarquées, qui pourraient être magiques à vos yeux. C'est peut-être aussi le moment du coup de récolter des petites choses que vous pourriez trouver, comme des herbes, des plantes, des plumes, des cailloux, enfin des choses comme ça que vous pourriez mettre sur votre hôtel par exemple. Des choses qui peuvent vous rappeler que la nature et tout ça est belle et qui peuvent justement vous aider à travailler sur vous et à trouver cet équilibre pour arriver à vous aimer plus et à être plus enclin à donner de l'amour aux autres autour de vous. Voilà, pour ceux qui avaient choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Alors, on a la lune et l'ermite. La lune avec l'intuition, magnétisme et le rêve. Et l'ermite avec la retraite, la solitude et le recul. J'ai envie de dire que ce week-end, vous avez peut-être comme projet ou peut-être envie de passer, exactement comme moi je viens de vous dire en fait, un week-end un petit peu en recul de la société. Peut-être vous avez juste envie comme moi de rester chez vous avec vos enfants, vos animaux, dans votre jardin. Et de ne pas bouger de chez vous, voilà. Peut-être que vous avez un besoin de solitude ce week-end, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, peut-être avec vos proches. La lune aussi, c'est peut-être aussi regarder, peut-être prêter attention à vos rêves ce week-end. Peut-être que vous allez vous réveiller avec des rêves qui vous ont peut-être un peu bouleversé, que vous allez vous en souvenir quand vous allez vous réveiller. Moi, ça m'est arrivé deux fois cette semaine. J'ai fait des rêves que je m'en suis vraiment souvenue et que j'étais assez étonnée quand je me suis réveillée. C'est vraiment des rêves qui marquent et prêtez peut-être attention du coup à vos rêves ce week-end, à votre intuition également. Et si vous avez besoin de solitude, de rester en retrait pour vous retrouver avec vous-même ou avec vos proches, votre famille, quoi. C'est peut-être un bon moment pour le faire. Ici, on a la page. Voilà. La page, moi, c'est l'idée de tourner une page pour en écrire une nouvelle. Peut-être que ce week-end, vous avez peut-être décidé de mettre fin à quelque chose et de définitivement tourner la page. Ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Hein. Tourner la page, ça peut être sur une activité ou quelque chose que vous avez commencé à faire et qui, au final, vous convient pas. Que vous vous dites non, ça me convient pas, j'arrête, je stoppe et je tourne la page. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de prendre du recul et d'être un peu dans la solitude justement pour réfléchir à cette situation, cette chose ou je ne sais pas quoi qui au final ne vous convient plus. Et peut-être que vous allez prendre le temps ce week-end d'y réfléchir pour peut-être définitivement tourner la page et recommencer sur une toute nouvelle page blanche. Voilà.
C'est souvent comme ça, hein, quand on se retrouve avec soi-même, on fait de l'introspection et on arrive à. Enfin, moi, personnellement, j'arrive mieux à réfléchir quand je suis seule et qu'il y a du silence autour de moi que quand toute ma famille, mes enfants, mes proches sont autour de moi. Et peut-être que vous allez tirer des leçons et vous allez peut-être aller chercher dans vos expériences passées, justement, la solution pour peut-être tourner cette page. Voilà. Alors, ici, on a. L'ancrage. Bon, là, évidemment, on vous dit de garder pied sur terre, de vous enraciner, hein. Peut-être d'aller justement dans la nature, peut-être une petite retraite, comme on vous parle de retraite de solitude. Peut-être que vous allez aller faire une balade seule aussi, pourquoi pas. Ça peut être autour de chez vous, enfin, ça dépend où vous habitez. Ça peut être dans une balade dans la campagne, dans la forêt, enfin voilà. Et peut-être que pour vous, une petite balade aussi, ça aide aussi à réfléchir. Il y a souvent des gens qui me disent que quand ils font une balade à pied, ou ça les aide à réfléchir. Mais on a vraiment l'idée, évidemment, avec tout ce qu'on entend aux infos, etc., on a tous besoin d'être ancrés, de garder les pieds enracinés, hein. Et je vais quand même vous lire aussi, du coup, ce qu'elle a écrit dans le petit guidebook, parce que je trouve ça très intéressant ce qu'elle a écrit. Cette période vous demande de vous ancrer à la terre-mère. Visualisez des racines partant sous la plante de vos pieds pour rejoindre le cœur de la terre. Vous pouvez vous ancrer en marchant pieds nus dans la nature, sur l'herbe, sur le sable, en faisant du sport ou même en écoutant de la musique. Faites ce que votre cœur vous appelle à faire. Vous pouvez également utiliser la lithothérapie si vous êtes attiré par le pouvoir des pierres. L'ancrage est très important lorsque nous choisissons de nous éveiller afin de ne pas oublier de vivre l'instant présent et de vivre pleinement cette incarnation. Voilà, c'est en gros un petit peu ce que je vous ai dit. Et on va finir avec celle-ci. Ah, elle est jolie, c'est Moss. Meditation can supply you with answers you need to hear. Ici, on nous parle du coup de méditation, mais je vais quand même vous dire ce que ça veut dire en français, hein. Vous pardonnerez, mon anglais n'est pas des plus des meilleurs. J'allais dire n'est pas des plus meilleurs. Alors là, mon français non plus n'est pas des meilleurs. Alors, ça nous dit, la méditation peut vous fournir des réponses que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Peut-être justement ce week-end que vous trouverez les réponses du coup que vous cherchez ici, hein, pour mettre fin à cette situation, peut-être en méditant, en gardant pied sur terre. En même temps, on peut être ancré et méditer en même temps. Peut-être si vous êtes habitué à méditer, faites peut-être une petite méditation et peut-être que en méditant, vous trouverez peut-être la réponse à votre question pour voir si vous tournez définitivement la page ou pas. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi mes petits quartz roses, qui sont partis se cacher là-bas derrière. Alors, on a l'encre, et encore l'ancrage et la surprise. Cette fois-ci, on échappe aux champignons. C'est merveilleux. Alors, l'encre, la stabilité, l'ancrage et la fixité et la surprise inattendue, imprévue et cachotterie. Ici, j'ai envie de dire, peut-être que ce week-end, vous avez prévu, comme moi je viens de vous dire, un petit week-end ancré chez vous. Vous n'avez peut-être pas envie de bouger. Vous êtes peut-être, comme moi, déjà fixé un certain objectif de vous dire que vous n'allez pas bouger de chez vous, que vous avez besoin de repos, etc. Et peut-être qu'il va arriver un petit truc inattendu, qui va peut-être faire justement, que vous allez peut-être devoir changer votre planning ce week-end. Vous savez, le petit couac qui va faire que, c'est peut-être pas toujours un mauvais truc, hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, vos parents qui vous invitent ou des amis à aller manger un barbecue et c'était inattendu, c'est une surprise et c'était un imprévu, mais vous allez y aller finalement. Votre plan de rester tranquillement chez vous sans bouger, voilà, il n'est plus d'actualité. Et bon, on a aussi l'idée ici de rester ancré un peu comme je viens de dire à côté, garder pied sur terre avec toute l'actualité qui est assez nocif pour le moment, anxiogène. Gardez bien pied sur terre, faites des exercices d'ancrage, portez des pierres d'ancrage si vous intéressez à la lithothérapie, parce qu'on a vraiment besoin de s'ancrer pour le moment. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée que moi j'ai. Vous avez peut-être des plans de rester chez vous bien au chaud, sans bouger, et vous allez peut-être avoir des petits imprévus, des petites choses inattendues qui vont sortir de la boîte ici comme là, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on avait deux cartes qui étaient sorties. On avait le sceptre et
L'évolution, le sceptre, ben, le sceptre, c'est vraiment le fait de reprendre son pouvoir. Et l'évolution, ben oui, qu'est-ce qu'elle disait encore pour cette carte-là? L'évolution, ben, c'est d'évoluer, je pense, hein, de toute façon. Où est-ce qu'elle est? Ouais, les choses vont évoluer, voilà. Ben, peut-être justement qu'en prenant votre pouvoir, en vous affirmant, ben, peut-être que vous allez faire évoluer les choses. C'est peut-être suite justement à un truc inattendu, un truc qui était totalement imprévu, que vous allez peut-être ben, vous retrouver, je sais pas pourquoi je dis ça, mais au pied du mur, et vous n'allez pas avoir le choix, d'autre choix que de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. Et du coup, ça ferait peut-être évoluer une situation qui était peut-être bloquée. Voilà. Bon, ça peut être dans plein de domaines différents, du coup. Mais on a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir, de s'affirmer. Et c'était peut-être pas prévu au départ dans votre planning, hein, dans vos plans pour ce week-end. Mais et du coup, ça va peut-être faire évoluer les choses, ou c'est peut-être vous aussi qui allez évoluer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La solitude. Ici, bah, peut-être justement que vous allez avoir besoin d'un petit peu de solitude, bah, encore une fois, de vous ancrer. Ce week-end, peut-être justement, ça peut aussi être après une prise de pouvoir, peut-être après qu'il était peut-être imprévu que vous avez pris votre pouvoir, que vous êtes affirmé, que vous allez peut-être avoir besoin après d'un petit temps de solitude pour vous remettre de vos émotions, pour vous remettre les idées en place et vous retrouver avec vous-même. Du coup, je vais quand même vous lire ce qu'elle a écrit dans le guidebook aussi. Je l'ai fait pour les deux autres. Où es-tu? Ici. Lorsque certaines de nos blessures sont encore trop présentes, par exemple celle du rejet et de l'abandon, la solitude peut être mal vécue. Elle est cependant parfois nécessaire pour apprendre à véritablement se connaître. Vos guides de lumière vous invitent à prendre aussi un peu de temps, rien que pour vous, pour aller à l'encontre de votre enfant intérieur, l'écouter et lui donner tout l'amour et la bienveillance dont il a besoin. Ces moments de solitude peuvent vous aider à prendre du recul et à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Voilà le petit conseil, du coup, ben, de peut-être prendre justement un moment de solitude, comme je viens de vous dire, pour vous retrouver. C'est peut-être aussi l'occasion de faire quelque chose qui vous plaît en même temps, hein. Par exemple de lire un bon bouquin, de prendre un bon bain, de faire une balade en solitaire. Enfin voilà, vraiment des choses qui pourraient vous faire du bien et qui pourraient ben, du coup vous aider à évoluer aussi et à sortir de cette situation. Et on termine avec la petite carte du Pixie King qui nous dit Miss He Be Out. Being weird is a side effect of being awesome. Je vais vous dire ça en français. Oui, en français, je vais dire en anglais, mais non. Où est-ce qu'elle est, Miss? Voilà. Être bizarre est un effet secondaire d'être génial. Oui, c'est vrai que moi, je trouve que dans la société actuelle, se démarquer, c'est parfois bien aussi. Être original, moi, je trouve ça bien. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui sortent des cases parce que tout doit rester dans les cases, justement. Moi, j'aime bien l'originalité, sortir du moule, voilà, comme on dit. Et être original, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc voilà pour cette petite guidance pour ce week-end. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir bah, de vous lire, évidemment. Et de voir que ça vous fait plaisir et que ça vous plaît, mes guidances. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien du soleil. Ce week-end, j'espère que vous en avez aussi. Et je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.